Mieux s'orienter dans ses études universitaires, c'est le thème du Salon de l'étudiant 2024 qui se tient du 12 au 14 à Libreville au Gabon. Un salon qui permet à ces nouveaux étudiants de dissiper leurs angoisses en matière de choix de formation. Cette initiative est née à Yaoundé en avril 2024 en décidant d'organiser un salon de l'étudiant à Libreville. L'ANIPES et la CEGE offrent aux étudiants vivant au Gabon pour cette première édition la possibilité d'accéder à des informations sur les formations de qualité disponibles dans le marché sous-régional, au Cameroun et au Gabon particulièrement. Une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur qui a été félicitée par le directeur du groupe Gabon Télévision. En choisissant la maison Georges Raouiri, vous avez accepté d'être au carrefour médiatique du donner et du recevoir. Vous avez en même temps accepté d'être dans un cadre de vie propice à toutes les activités intellectuelles. Changer le paradigme en ce qui concerne la perception de la formation au Gabon, c'est l'avis du secrétaire exécutif de l'ANIPES, l'Association nationale des institutions privées de l'enseignement supérieur, qui revient d'ailleurs sur l'importance de ce salon. Mieux connaître les besoins de formation des étudiants gabonais en termes de parcours, de type de formation, diplômante, certifiante, en termes de plateau technique, signer des conventions avec les grandes écoles universitaires du privé de Gabon. Le salon de l'étudiant 2024 est une coopération intersubsaharienne avec possibilité de mobilité pour les étudiants sur un semestre au Gabon ou au Cameroun. Cet événement est également une opportunité pour le Gabon de repenser sa stratégie de formation en priorisant les métiers d'avenir pour les parcours de formation en adéquation avec les opportunités d'emploi.